Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, petit 2 minutes spécial qu'on tient à vous faire. Premièrement, l'annonce dit que je suis présentement ouvert aux brasseurs pour votre plus grand plaisir. On a aussi le système de livraison pour le monde qui ne veut pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer. On livre par Post Canada et FedEx présentement. Tous les détails sont disponibles si vous voulez une soumission de transport. Sont disponibles sur mon site web, vous faites la commande, vous marquez votre adresse, ça va vous donner le montant que vous avez à payer. Si jamais vous ne trouvez pas un produit sur mon site web que vous voulez avoir, appelez-moi ou envoyez-moi un courriel, ça va me faire un grand plaisir de vous aider. Mais on profite de la situation du coronavirus, du COVID-19, pour vous présenter un petit 2 minutes sur la salubrité. C'est important de bien nettoyer son système de brassage et dans une période de crise comme qu'on vit présentement, c'est aussi le temps en tant que brasseur de conscientiser nos bouteilles. Pour le 2 minutes aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon ami avec qui je fais des podcasts, Kevin Fu, mesdames et messieurs! C'est ça! On n'a pas le choix présentement, on fait attention, on se lave beaucoup les mains. Je veux vous dire que aussi, Kev peut être très 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 conscient de ça, j'essaie de laver les frigos, les machines à interact, les poignées de porte et tout ce que vous pouvez toucher le plus possible avec de l'aseptisant pour éviter les contaminations qui pourraient se produire au brasseur. J'aimerais aussi vous demander que si vous avez des symptômes, fièvre, toux sèche, vous vous sentez pas bien, faites la livraison au lieu de m'envoyer de venir ici en magasin. Vous pouvez aussi préparer vos commandes d'avance comme Kev fait souvent. Comme ça, il passe le moins de temps possible en boutique et en contact de d'autres personnes. Je travaille tout le temps avec les gars. Les petits gants noirs! J'ai commencé à travailler avec ça. Petite anecdote, 30 secondes, hein? On perd 2 minutes après tout, mon câble. J'ai commencé à travailler avec mes petits gants noirs depuis que mes mains pendent à rien. Fait que c'était pas nécessairement pour la maladie, pour la transmission de maladie. C'était beaucoup plus pour protéger mes mains de la poussière et de l'eau et des nettoyants que j'ai derrière moi qu'on va vous parler. Alors aujourd'hui, Kevin est venu spécialement pour faire ces petites 2 minutes-là pour vous dire à quel point il tient à vous. Et maintenant, Kevin a sa page. On va faire une petite publicité, mon ami Kevin. Merci. La page Kevin Fu. Kevin, parle-nous de notre belle page, ta belle page que tu as créée pour les auditeurs du Brasseur. Hey, pour tous les amateurs de bière qui veulent me suivre, qui beaucoup de choses que je fais avec Fitz présentement, on a le podcast, on prend des photos, je veux poser des questions, je veux que les gens me posent des questions, je veux avoir une interaction avec vous. Alors, pour le plaisir, un petit peu de légèreté, un petit peu de sérieux, suivez-moi, ça va me faire plaisir de vous... Répondre? De vous répondre. Puis en même temps, vous allez apprendre beaucoup. Kevin est très bien équipé et il va donner des petits trucs une fois de temps en temps sur sa page. Il vous montre qu'est-ce qu'il brasse, ça peut vous donner des idées. Si vous voulez un peu des conseils de quelqu'un d'autre que moi, ben Kevin Fu est là pour vous répondre. S'il vous plaît, allez pas sur sa page personnelle, il accepte seulement ses amis très proches. Kevin, c'est quelqu'un d'introverti, fait qu'il ne partage pas tout avec tout le monde. Mais si vous voulez en savoir plus sur les activités qu'il fait, puis sur la bière qu'il boit, sur les sorties de bière qu'il fait ou qu'il faisait, parce qu'il va relaxer un petit peu avec ce qui se passe présentement, ben il met tout ça sur sa page Kevin Fu. Quand on fait des nouveaux podcasts, c'est la petite photo est dessus aussi. Fait que c'est ça qu'on voulait faire un petit introduction avec Kevin. Alors aujourd'hui, comme qu'on a dit, on va parler d'aseptisage, de faire attention à qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on donne. Et c'est parti pour 2 minutes, mes amis. Kev, es-tu prête? Alors, Kevin, moi je pense que présentement dans la situation qui se passe, on le dit, le matériel, il est vraiment important parce que le contact du virus peut rester en contact quasiment 12 à 24 heures sur le stainless steel ou le métal en particulier, 12 heures sur les vêtements. Les bouteilles de vitre, j'imagine que c'est la même chose, puis souvent on a une petite capsule dessus. Fait que, qu'est-ce que tu dirais à nos amis brasseurs qui veulent quand même partager leur bière? Parce que présentement, qu'est-ce que vous avez d'autre à faire que brasser de la bière, puis de partager votre passion avec vos amis? Et que vous êtes habitués des brasseurs, la première chose qu'on fait, on lave, on stérilise. On lave, on stérilise, on lave, on stérilise. On rince des fois entre les deux, à l'eau froide. Mais par la suite, l'habitude d'être très propre et d'être très serein et... Médiculeux. Merci. La continuité va sur les bouteilles. Et que quand vous allez faire goûter vos produits à vos amis, vous allez partager votre passion. N'oubliez pas, nettoyer, rincer le plus rapidement possible. C'est des choses qui sont simples,
Mais présentement, on veut faire l'extra pour pouvoir éviter tout petit problème qui pourrait vous arriver ou nous arriver. Faites aussi attention, souvent on demande au monde « Hey, t'es-tu dédaigneux? Goûte à ça dans mon verre! » Essayez présentement d'offrir un nouveau verre, de le rincer, de le laver si il est resté longtemps dans l'armoire ou s'il y a d'autres personnes qui a touché, de ne pas partager votre verre avec d'autres amis. Des fois, les symptômes, on les a même pas encore, puis on peut les propager. Fait que ça, faites attention à bien rincer les verres pour être sûr de bien empêcher la propagation du virus qui se crée présentement. Et on vous veut en forme et en pleine santé pour continuer. Avec quoi tu laves ton matériel, mon beau Kevin? Puis explique au monde comment tu fais. Parce que c'est bien beau parler de virus, de contamination, puis tout. Mais on veut pas plus de virus dans notre bière. On veut pas plus mettre quelque chose d'intolérable qui est pas nécessairement le coronavirus, mais une lactobacille éventuellement. On veut pas ça. Fait que comment tu fais pour éviter les contaminations quand tu brasses quelque chose? La première chose, super importante, en tout temps, nettoyer. Utiliser les bons produits. Ça, c'est la crème qu'est-ce qui est sur le marché, le PBW. Qui permet vraiment, avec l'oxygène, d'aller enlever toutes les particules qui peuvent être restées prises. Vous pouvez laisser tremper pendant un certain temps vos équipements dedans. Puis, il n'y aura aucun problème avec le stainless. Et que ça ne brûlera pas, ça ne causera pas un problème à long terme dessus. Et vous pouvez laisser tremper. N'oubliez pas, dans certains cas, n'oubliez pas de frotter. On ne prenait pas juste pour acquis que le produit va faire un miracle. Des fois, ça reste encastré. Et même si vous allez stériliser, si ça reste encastré, vous allez avoir la contamination parce que ça n'enlève pas la cochonnerie. Un coup que c'est fait, je vous conseille fortement de rincer à l'eau froide. Pourquoi? Parce que l'eau froide a beaucoup moins de bactéries dedans que l'eau chaude, à moins que vous preniez de l'eau bouillante, ça qui est encore beaucoup mieux. Mais dans ce cas-ci, rincez à l'eau froide et par la suite, on va stériliser avec notre... StarSan, qui est une compagnie aussi qui a un excellent produit. Le produit dure très longtemps. Va descendre votre pH en bas de 2. Qui empêche les bactéries de venir s'incruster. Et voilà. Et aussi qui ne donne aucun problème au contact de la bière. Et ce produit-là va mousser, mais si ça touche à votre bière, n'ayez pas peur. Vous allez avoir le bon produit pareil, mais qui va vous permettre justement de toucher à tous vos équipements pour rester parfait, pour ne pas avoir de contamination. Autre petit point que je tiens à vous dire qui coûte. Vous pouvez aussi tout stériliser votre équipement à l'eau bouillante. Fait que vous prenez une grosse casserole d'eau bouillante, vous stérilisez vos choses dedans et vous évitez toute contamination. Les bouchons de ce temps-ci, essayez de les nettoyer comme du monde pour éviter toute contamination croisée de votre bière ou d'un virus qui est potentiellement dangereux. Essayez de les stériliser avant, lavez-le au PBW à l'eau bouillante au StarSan. Moi, j'ai fait tremper dans le StarSan avant de les utiliser. C'est quelque chose qui est super bien. Pour l'amateur de bière qui nous écoute puis qui boit pas nécessairement ou qui fait pas nécessairement sa bière à la maison, même chose avec les canettes que vous trouvez à l'épicerie, le monde touche à tout, dépendant spécialisé ou peu importe. Je ne crois pas que nos spécialistes et nos détaillants de bière lavent toutes les bouteilles à toutes les fois que vous passez. Alors prenez précaution de bien laver les embouchures avant de les verser dans votre verre. On le dit sur le métal, sur le stainless ou sur l'aluminium des canettes. Oui. Le virus peut rester jusqu'à 12 heures, fait que si quelqu'un est infecté, vient toucher à la canette ou ce qu'on boit et on se le met directement dans la bouche, ça va pas aider. Aussi, recommandation, je sais pas si c'est vrai, mais ça fait plaisir à dire quand même parce que, si tu veux, on va en parler quand même. Ils disent de boire aux 15 minutes parce que si le virus se retrouve dans ta gorge, tu vas l'ingérer et vu que c'est acide, tu vas le détruire. Ça veut dire que si vous buvez aux 15 minutes, vous êtes pas obligé de boire juste de l'eau. On fait de la bonne bière. Et la bière est plus acide que l'eau. Alors, buvez beaucoup de bière, avec modération quand même, et remplissez vos stocks, vous avez présentement le temps. Je sais que beaucoup de monde touche d'humour ici, mais on va devenir un petit peu plus sérieux. Beaucoup de monde présentement sont en quarantaine ou sont pris à faire du télétravail pour minimiser les risques. Restez à la maison si ce n'est pas nécessaire. Dépêchez-vous à faire vos commissions, essayez de ne pas faire de trop regroupement. Je tiens à la santé de mes clients, amis et au monde qui m'écoute sur YouTube. Fait que fais attention à toi, je veux rester longtemps avec toi. Ici au Brasseur, on prend toutes les précautions qui est possible. Je tiens à vous avertir aussi que mes ouvertures n'ont pas changé. J'ai les mêmes heures d'ouverture qu'avant. Fait que si vous voulez venir me dire un petit coucou, puis vous n'avez pas de virus, vous n'avez pas de contaminé, ça va me faire plaisir de vous voir et de vous répondre à très grand nombre. D'ici ce temps-là, les amis, je vous dis faites attention à vous, buvez beaucoup de l'eau, des boissons chaudes et surtout à partir de midi, de la bière. Bonne brasse! Ciao les amis.
Ouais, puis Kev, j'ai oublié de dire quelque chose. Faire un changement? Ouais. Ah! Surprise! Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui m'a oublié, c'est Kev en fermant la caméra qui dit... Qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Prenez pas pour acquis que parce qu'il y a un virus puis que présentement il y a une épidémie, que ces bonnes habitudes que vous avez là présentement vous doivent toujours rester. Perdez pas cette habitude-là de tout rincer comme du monde, tu sais. Des fois, il y a des petites souris qui font des caca sur les canettes, hein. Aussi, j'oubliais, le port des gants, ok, pas parce que la personne porte des gants que c'est nécessairement nécessaire, puis c'est nécessairement ça me protège moi, mais ça protège pas la personne qui est en face de moi. Si j'ai la bactérie sous mes gants, ben je peux la contaminer aussi. Puis si je me mets dans la bouche, ou comme moi je joue souvent avec ma barbe, ça peut aussi vous contaminer. S'il vous plaît, faites attention, restez à la maison si c'est pas nécessaire de vous déplacer. On a le système de livraison, passez vos commandes d'avance. C'est rare que je dise ça, mais vous allez passer moins de temps avec peut-être d'autres personnes qui pourraient être infectées sans même le savoir. Alors, un petit avant-garde ici. Je me dépêche pour faire vos commandes le plus possible, puis je prends toutes les précautions. Merci les amis. Bye!